Et bien salut à tous, c'est Eden. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan. Les amis, une vidéo qui je pense va nous faire sourire tous un petit peu. Y a pas de gameplay en fond, il y aura seulement des screens. J'espère que ça vous fera plaisir quand même avec une petite musique. C'est tout simplement car la vidéo ne nous appartient pas et du coup on peut pas vous diffuser le contenu. Voilà, tout en ayant les droits. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne dans la description. Je suis presque aussi sans abonnés les mecs en 2 semaines. Si vous pouviez arriver à m'aider là-dessus, je vous en remercierais vraiment. Je ferme la parenthèse. Donc on se retrouve avec un joueur très particulier qui a actuellement 108 jours de jeu. 108 jours de jeu. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de temps que le mec a passé sur sa console? Et le plus alarmant dans tout ça, c'est juste qu'il fait pitié en fait. Il fait vraiment pitié. Car comme vous allez pouvoir voir maintenant à l'écran, son ratio de kill par mort est de 0,98. 0,98. Pour vous dire, alors moi qui suis mauvais, et je l'assume totalement, en une semaine de jeu, peut-être sur MW3, j'avais 1,5 de ratio. Mais lui, en 108 jours de jeu, c'est-à-dire que le jeu, il l'a séché quand même. Enfin, il a fait pas mal de games, quoi. Donc, au bout d'un moment, le mec, il commence à maîtriser. Même les joueurs perf aujourd'hui n'ont pas fait autant de parties que lui, et ont un meilleur ratio. Comment il fait pour taper un ratio pareil? Donc, franchement, faut que cette personne nous explique. Parce que quand même, bon, ça fait un petit peu pitié, quoi. C'est le pauvre, franchement. Donc, alors ensuite, on regarde le ratio victoire-défaite. Bah, il est de 1,9. 1,09 pardon, bon c'est pas énorme non plus, et son score par minute est de 129. Quand je vois que moi j'avais un score qui tapait dans les 300 à 400 de score par minute, lui bah s'il vous plaît, au bout d'un moment quoi, c'est impressionnant, franchement c'est impressionnant de voir à quel point une personne peut passer autant de temps et être aussi nulle, voilà, ça fait pitié. Bon après quand on voit un peu les armes, comme vous allez pouvoir le voir qu'il utilise le plus en deuxième position, on a le Black Cell qui, si je ne me trompe pas, et de type lance-roquette, et que bon, le mec a quand même 3,87 de ratio avec cette arme, c'est-à-dire qu'il se fait défoncer l'anus avec les autres, de type Manowar, KN ou des trucs comme ça, je suppose. Mais genre, le mec, pour que ce soit sa deuxième arme et qu'il ait fait 25 000 kills, presque 26 000 kills avec cette arme, waouh, respect, franchement, le mec a de la patience, le mec, voilà, je sais pas comment il fait. Soit c'est le type de personne à rester dans un coin pendant toutes ses games, et là, ça on comprend le temps de jeu, mais alors, franchement, mais expliquez-moi. Après quand on enchaîne on voit bon bah dans ces trucs les plus utilisés on a le système trophy en troisième position, la mine juste derrière, avant on a la Semtex et le MP. Bon bah s'il vous plaît, enfin au bout d'un moment voilà, faut arrêter de déconner et. Ça fout les boules. Ensuite si on regarde rapidement un peu tout ce qui est les modes de jeu, on constate qu'il joue beaucoup en match à mort. Beaucoup en domination, et après quand on voit la mêlée générale il en a fait 90 par rapport aux autres où il est déjà 4200 pour chacune, bon franchement c'est pas grand chose. Donc en tout cas les amis, j'aimerais bien avoir votre avis sur vous, par exemple votre temps de jeu, ce que vous passez sur les jeux vidéo en ce moment. Moi rapidement je vais vous dire, je ne joue plus, j'ai même plus le temps de jouer, c'est à dire que bon, je suis en terminale actuellement et avec le travail qu'on a à faire qui est juste énormissime et tout ce que je lance à côté, c'est-à-dire peut-être un peu de vidéos de temps en temps, mais surtout travailler à côté, essayer de démarcher et tout ça pour avoir du travail, eh bien je me retrouve à ne plus pouvoir jouer du tout. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, vous, sur ce que vous pensez de cette personne, si vous trouvez que c'est juste honorable ou justement à chier. Et ce que vous en pensez, et vous le temps de jeu que vous passez sur vos consoles. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.